c'est, Cédor? Oh, ça doit sûrement être celle de mon grand-père. Non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça, si ça se trouve. Et pour mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula! Oh! Aiment pas la viande? Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça! T'es fou du slip ou quoi toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou! Plus de dents, direction la mer pour toujours! Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elle reste coincée dans les toilettes? Ben ça a un truc à ce qu'elle bondisse des WC et claque! Elle sort pour te mordre le zizi! Oh. Et qu'elle te mord le zizi? Qu'est-ce que tu crois? Dès qu'elle voit un truc qui dépasse dans la cuvette, elle te le mord! Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip! Les dents de Dracula, ça mange que du coup, pauvre zizi! Ouais, comme tu veux, petit œuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y! Il faudrait peut-être recommencer. Avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, ben, il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh ben, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, ben, ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais. Et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père! Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnocque! Puisque si un Dracula et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles! Oh! Et regarde là! On dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula! Non, mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien! T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? T'es vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Ça y est, je l'ai. C'est quoi tous ces ailes, hein? Ici aussi, mais il y en a partout. Et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant?
qui arrive. Mais où sont les garnements? Ça, c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va. Allez. Les enfants, vous êtes à la table. Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Je vais fermer la porte. Ouvre-moi. Mais ouvre cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour, les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte et ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est bébé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que bébé puisse nous mordre. Non, mon niveau, mon grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Mais je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio? Carpaccio? Oui, vous savez, un vampire des quatre pattes. Carpaccio des quatre pattes. Un Carpaccio des quatre pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est bon. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, hey, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, ben, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Oh là là. Bouge. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Vom, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste! Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles! Vous êtes pas une fille, vous! Les filles, ça a jamais une moustache! C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade. Hey, Vom, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite? Non, merci. J'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas,
Ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, bah, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout là-dedans. Qui m'a piqué mon couffin. Oh, Starvé. Oh, Rodor, et si je ferme la porte? Qui est là? C'est moi, Tite. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement, voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Oh. Ça va pas? Oh, si, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas! C'est toi qui bugle comme ça! C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant! Bah ouais mais... Y a pas de ben ouais mais qui tiennent! Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous! Ça va aller? Je suis là mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide bien sûr! Ah, Vomito, tu m'as vomi dessus. Mais non, c'est juste... Hey, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah, mais il est vraiment dégoûtant, celui-là. Non, mais ça va pas la tête. Hey, ah, laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré. T'as de pédoncule radioactif. Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi. Le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache. Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. We'll be right back.
trop juste. Tcho! Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça, les vacances, moi. Quand il n'y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Ah, hein, pas vrai, Nadia? Hé, hey, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, hey, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Oh, non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke. Hé, hey, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, prends un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? Ouais! Ah ouais! C'est pas un peu fini, non? Waouh! Oh ouais! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, hey, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder. Tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi. T'éloigne pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, Mouchou le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, hey, on veut se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouaf, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à la Sazuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis, il y a aussi qu'en classe, bah, je suppose un génie comme ils l'auraient voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Titeuf! Hé, monsieur, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser le chat. Et puis quand je suis revenu, bah, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi! Titeuf? Titeuf, il n'est plus là! Ah, comment ça, il n'est plus là? Ah, pas de panique! D'accord, j'ai dit pas de panique! Gardons notre calme, chérie, hein? Il a dû rester à la station-service. Bon, vu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré! Faut que je m'en aille.
Aïe, si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite! Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Oh! Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc, elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Oh, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons, madame, calmez-vous, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Allons, chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais une crise cardiaque, moi. Voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout, je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi, la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras? Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Titeuf! Reviens! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout! Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud, les mecs. Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Je suis une gomme à la chloro à 102 trous de nez. Ouais, c'est ça, marrez-vous, les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et ben c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Ouais. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hey, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hey, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met, celui-là, alors? Moi, à la limite, si c'était bas de pitre, je dis pas. Surtout, ne t'en retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans, alors? Ou 3 ans et demi? Hé, hey, réponds, dans 6 ans? Hé, hey, Nadia, dans 10 ans, Nadia? On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super! Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi. T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future.
conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre. J'attendrai, tu attendras. Il ou elle attendra. Il te reste encore le CM2, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e, la 1ère et aussi l'interminable. Et puis c'est pas le futur désigne un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il ne restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais plus vite fait de te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip? Ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague! Toi, tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là! Rancard au terrain vague à 5h moins le quart. Bon, enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Pouah, ferrage. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hey, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Ben pourquoi? Ben ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. J'suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein. Nadia, c'est ma future à moi, j'ai compris. C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, aïe. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Non. Oh ouais. Là cette fois c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, bah dis donc, quel boulot. Regarde ça Manu, 20 ans après, et bon c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans et ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plutôt près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia doit tâter de m'amuser à l'aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Nuke, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia est date de m'amuser à l'aime maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Hein?
Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas péché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de... Nadia! En usant le tapis comme ça, que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, ben juste pour le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Oh, bah c'est vous, tcho les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de ta vie, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vert sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger du plomb voir sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je popo. Quoi? Bah j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une tarte. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Hey, c'est pas une fille d'abord, c'est Julie. Et en plus je lui ai promis. D'accord les gars, laissez tomber. Tu t'as pas mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la campe. Trop cool donc. Tchou. Mince, ah, il a pas l'air content, hein? On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus c'est avec sa cousine. Oh ouais les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance. La galerie marchande. Ah bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Hé hey, Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Demain matin? Bah oui. Ah bon? Si, d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, il est superbe. Tu es un chou. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier.
Vous voyez, les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire que faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais, moi, qu'on pouvait compter sur lui. Pas vrai, les gars. Allez, Titeuf, à la fête. Monsieur, enfin, pauvre nage du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de nage. Oh, allez, viens, Titeuf, fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars, il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeune pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais... tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Je suis là. Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus. Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumée. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh, oh merci. Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh, bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie. C'est pas juste. Pas qu'il est pas mal, Sandrine. J'avais jamais remarqué. C'est ses petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, sa Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah, t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin. Sandrine, je... Mais... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh! Les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais. Rends-moi mon soutif. Ton quoi? Qu'est-ce que... Rends-moi ça, espèce de débile. J'ai un soutif. Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non,
Je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, ma mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, mais non, ça c'est du vrai. Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum. Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les seins. Non, c'est du 100,1 ça. Faux, vous vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, moi je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et j'allais voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas. Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia. D'accord, top là. J'y vais. Excusez-moi, madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous, le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes, mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 cm, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Oh, au secours! Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin brêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et... Et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs, vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche. Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est foi. Bah ça alors. C'est sûr qu'il vient vite lui mesurer les nénés. Fantastique, je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Hé, hey, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tout fait même dedans, non? C'est malin, ça firme. Rassure-toi, ce n'est rien. Juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Je savais que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. C'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non, on lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût dedans de Nadia. Oui, mais bon alors, dis-nous, sais-tu combien c'est néné? Oh, allez, du calme, hein. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus.
Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime, là, Titeuf. C'est quelle pointure, c'est Néné à Airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100. Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou de flip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars. C'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de Néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut. Parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés. Ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, bah, ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y'a qu'à me demander. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Skombrovitchou? C'est pour vous protéger? Absolument pas! Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Tes palmes et quand tu vas, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hé, Titeuf, t'es déguisé en Dracula, là, ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grand réalisateur de méga-films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes, alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter... Skombrovitchou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement. C'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow! C'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire. Du genre méga peau humain trop horrible. Et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de très fun. Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben, je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, ben pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben, il n'y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles. Voilà pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais,
Je veux prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton stomp, et c'est du dernier cri. Moi, je sers tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistoles et fixes, comme ils disent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y'a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pour humain trop horrible. La scie. Non, c'est bien trop lent, ça. Au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau-burin. C'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamusalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Tambi quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciaux les fixes. Hé, hey, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un giga, man. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle le grand massacre au marteau burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police. Ça fera un hit dans les box office. Et ça, c'est moi qui vole d'ail. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, vie. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Ouais. Et moi, eh ben, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et moi, si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais, bah si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? Eh ben, c'est toi. Y'a que toi qui ai des dents de monstre. Ah, alors ça... C'est génial, c'est bon les questions. Continuez comme ça. On a le plus fort la baston. Ouais, c'est cool. Ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? Bah, c'est toi la star. Ça fait mal. Et n'oubliez pas,
de préparer vos stones pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Ah, mais ça va pas bien, ça. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Hé, les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ouais, et bah peut-être que Mosio a une meilleure idée. Et... parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, hey, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quel poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf. Ça, c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, hey, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Séraphin! Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. C'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Commencez par la concierge. Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Tais-toi, Vora. Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez, Vora. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je vais vomir. Couchez, Vorace. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez, les enfants. C'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins-nains. Merci, monsieur. Oh,
Titeuf. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf. Merci Titeuf. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Tcho, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Hé, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, hey, Borase, reviens ici. Hé, hey, par là. Oh, le monsieur dame, on ne dit pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, hey, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse, finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hey, ça, c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûr. Je le savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf. Tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai que du rack, hein? Qu'est-ce que tu crois? Mais là le logo il est tombé, c'est tout. Oh, l'autre, son logo il est tombé, hein? Faux! C'est pas possible, les logos rack, mon pote, ils tombent pas! C'est cousu dans la masse du t-shirt! Ah ouais? Eh ben moi c'est un rack d'importation, voilà! Directement de là-bas. Et là-bas, ben, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Bon, venez là. Ah. Il va voir ce grand nage de kiki sexuel qui sait que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over mega kill. Voilà, comme ça c'est aussi joli. Oh hein, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIPs qui l'ont au States. C'est mon père qui me l'a ramené. Ben moi je connais pas. C'est génial, c'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas, il n'y a pas encore d'importateur. Moi en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Mais tu l'avais pas déjà avant ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais. Non mais ça vaut pas dans ta tête, toi, hein. Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh, non, mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip. Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon. Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh. Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Tcho. Waouh, c'est vrai?
sais c'est quoi, Corporat? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, un pauvre nul. Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Tchao, les gars. Tchao. Oh, oh bah, tchao. Tiens, c'est trop chouette, cette vague bleue-là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu, c'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi, je la trouve chouette, sa marque, à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ha, tu vois, là. Ouais, et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf. C'est n'importe quoi, c'est ça. En même temps, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein? Ça te fera trois barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Tchou, les gars! Oh, oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque, alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque, de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça! C'est complètement débile! Écoute-moi, X Company, c'est de la marque! Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire. Non, c'est. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi! Répète un peu ça! Tiens, les gars, ça roule! Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques, toi aussi, ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la sixième planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturne Compagnie et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X Compagnie, est-ce que ça te dit? Bah non, moi, les marques, bah, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors? Heureusement que t'es là, toi. Hé, hey, écoutez-moi tous, c'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça. Comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu ne crois pas, regarde un peu ça. Oh! Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X Compagnie, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taré de cible. Salut tout le monde! Oh, Nadia! Regarde mon blouson! Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout! C'est pas de la bombe atomique, ça! Top! Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Chargé!
Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale. Le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Geiger. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium ? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton ? Bien sûr, Titeuf. C'est un cadeau des extraterrestres. Waouh ! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Ne bougez plus. Sayonara. Ninja! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà! Regarde! Waouh! Ça, c'est une fille! Waouh! Plutôt top canon! Fais gaffe aux géraniums de mon père! Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père y met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radio-lactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radiée. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé! Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois! Avec trois mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur Geiger ou quelque chose comme ça! Eh ben, y a qu'à regarder dans sa trousse à outils! Et voilà le travail! Ça, c'est un compteur Geiger! J'espère que c'est pas dangereux! Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radié, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pour radié, ouais. Youpi, ouais. Je suis pour radié. Oh, dis donc, et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser ou elle va contaminer toute la famille. Va y avoir un retour des champignons. Hé, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es babe, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés.
fous à la flotte alors? Non mais t'es pas ouf, et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'ils vont pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiations à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hé hey, bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens, 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 tiens. Vous voilà enfin tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf! Où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il ne pousserait pas un deuxième bout de zizi. Peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça, si ça se trouve. Et pas mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau, ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi, je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bon, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après, elles restent coincées dans les toilettes? Ben ça, un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre le zizi. Et qu'elles te mordent le zizi? Qu'est-ce que tu crois? Dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pauvre zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Ah!
les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah, il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah, ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Merde, oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais. Et même qu'après les copeaux de coups, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père! Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc! Puisque c'est un Dracula et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles! Oh! Et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula! Oh! 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 Non mais t'as vu le ralatel qu'il faisait? On aurait dit un gros chien! T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? T'es vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Aïe, 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 aïe. Ça y est, tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. Ben c'est quoi tous ces ailes, hein? Ben ici aussi, mais il y en a partout. Ben et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le bloc arrive! Mais où ils sont, les garnements? Ça, c'est bizarre, quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va. Allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Je vais fermer la porte. Ouvre-moi. Mais ouvre cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour, les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte, mais ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Ouvrez-moi cette porte à la fin. Non, mon grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même! Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé et en plus, ils m'ont cassé mon dentier! Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux! C'est un véritable vampire des Carpaccio! Un Carpaccio? Carpaccio? Oui, vous savez, un vampire des quatre pattes! Carpaccio des quatre pattes! Un Carpaccio des quatre pattes! Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave! Non, pas la cave! On y a vu plein de souris Frankenstein!
Ouais, bon. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi. Fais en mémoire, regarde un peu, là. J'ai un poil. Mais crâne pas, t'es tout chaud. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas. Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillets, tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche! C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un court vu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hey, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tchernos débiles, mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, et ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi, ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Nuke. Avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Ben ouais, c'est ça. Et pourquoi pas une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de viser droit, les pisseuses! Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'as pas une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrotatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben, tu vas voir un peu, ma vieille. Je vois... Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour le grand McGill aussi. Et 3, 2... Il m'énerve, celui-là. Vomitons! Mais Pompeux Scratch fait le gros basket à 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf, mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Omega Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois... Que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, Super Méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grand? Je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, Super Méga Titeuf, j'aurai quoi mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chukka toute neuve. Ouais. Hey, dis-moi mon petit œuf, j'aimerais bien savoir quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi une bise pour t'encourager. Mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégazons propophétiques. Quoi? Eh ben, ils ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazons. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité.
Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Ficher de moi? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Oh, je pas. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrotatique, toi? Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serai pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Oh, stop, les voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes? Non, désolé, mais fini les mégazondes ultravoyantes. Regardez, il n'y a plus la mèche. Oh. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une autant. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chocottes. Ils m'ont attaché au parc de Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche-moi de ton bisou parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier et ni ton autant qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazons directs à la planète Mars. Attends une minute que je cerce la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer ton clapet, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Bon, mieux. Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. Passons avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les v'là qui arrivent. Les filles, pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Ouais, vous avez vu les appels? Hey, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser les testicules en plein vol. Oh. Et salut les filles. Yep. Un, deux, trois. Oh. Pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial. Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool! Et surtout, bah, vous battez faux pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze, lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super! Trop de chance! Je parais que je serais le seul à y avoir pensé. Oh, ouais! Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Oh, c'est pas vrai, vous êtes énervante, les mamans, à tout penser. J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais. Et bonne fête, Nadia. Ton nom est plus beau qu'un dahlia. Oh, c'est pas possible de faire des rimes, Nadia. Tchou, ça va pas.
Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Pipi. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que mille et un Dahlia. Joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'autant tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Bisous. Jolie comme des confettis. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'auto-tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête. Attends, attends, c'est pas encore fini. Et que tu m'en fasses ton bisou d'amoureuse. Tchao, Nadia, j'ai deux places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls? Oh, attends-moi. Tchao, c'est complètement nul, les calendriers de l'école. Il pourrait nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Mega top! C'est demain qu'ils installent les auto-tamponneuses. Ouais, cool! Fait vraiment trop fun! Eh ouais, surtout que moi, eh ben je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre! Et comment tu vas faire? Oh, ça c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi? Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne deux Drago Kart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3 et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Tchou, vas-y, go, go, go! Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre débile juste avant, on va. Mais qu'est-ce qu'il leur prend, je vous jure. Hé, hey, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze. Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, juste alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Hey, dites donc, les mini-crottes! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Non! Oui. Oh, je suis en mal, ça! T'es allé trop vite, pauvre pesticule! Oh, c'est pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia! Tu me rends mes Drago Kart Mega Monster! Oh, l'autre, c'est ça, ouais! C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule. Espèce de monopoil, va. Microscope. Espèce de tétanisé du cerveau de... Pauvre moisi du slip. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? On parlait pas de beignet. T'es pas un peu fou, toi? C'est pareil que Marco est venu chercher Nadia pour les auto-tamponneuses. Cette fois, moi, je vois le dé. Il va voir. Hé, hey, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Oh, oh. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote. Est-ce qu'il se passe encore là-bas? Eh, là, la maîtresse. Oh, là. En train de jouer avec l'eau ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Hein? Oh là 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 là! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf! Un véritable éléphant! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse! Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je
cheveux trop, faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Oh. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Hé, hey, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclettes de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va! Saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclettes complètes mangées en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes! Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros! Se croyez pas si courageux, ça! Je témoigne! Mm-hmm. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là! Bravo, Titeuf, je suis fière de toi! 30 raclettes, c'est quelque chose! Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf! Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes! Oh, je te jure! Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudi! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Oh! Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors, pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. Et aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande fessée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, patates. Raclette, ça contient trop de force. Il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en mille morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf.
Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, 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 on appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Oh. Hey, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. Le grand Titeuf. À ma gauche, ben le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf. Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une. La patate parée. Alors en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Un. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pomme de terre. Et enfin, il porte tout à sa bouche. Attention, attention, un doigt. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé Titeuf, est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Les enfants, alors aujourd'hui nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle. Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur. Oh alors, est-ce que je prends Nadia en premier? Oh peut-être Manu. Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors, je choisis en Manu le premier pour en faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, mais si Hugo, il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe. Bon, oh mais, je vais me retrouver avec tout lui noise. Bon, alors, Titeuf, qu'est-ce que t'attends? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ouais, cool. Youpi.
Vas-y, top là. J'ai un super méga plan top secret pour tous ces bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Bon, eh bien, je vais prendre Nat. On prend Dumbo. On prend Dumbo. Hein? Oh, c'est moi. Mais ça va pas. Laisse donc faire expert. Très bien, dans ce cas, moi je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste. Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Ouais. Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo? T'es tombé amoureux de ses oreilles ou quoi? Non, mais enfin... Ah, mais non, pauvre Slip. C'est à cause du vent. Quoi, le vent? Bah oui. Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh, tu crois? Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Hey, oh, pas si vite, ma vieille. Prums, c'est Manu qui t'a choisi. Et Doudeuse, si t'es là, c'est grâce à tes ombres. C'est grâce à tes zolinates. Tu sais que Titeuf, ben, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates. Ah bon, vraiment? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mes couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention. Petit cachotier, ben, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez. Même pour vrai, c'est à cause de ces gens. Une remarque? Non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses. Attention, bruit à bâbord. Et de l'une. Plus fort, Manu, faut les rattraper. Premier obstacle, à gauche. Oh ben, Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule? Il faut l'enlever. Ben non, c'est mon bonnet de piscine. C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux. Désolé, mais je te préfère sans. Vraiment, Titeuf, qu'est-ce que t'es chou alors? Bon, allez, regarde devant toi, maintenant on fonce. Le vent est avec nous, mon vieux. Yahoo! On va vite les rattraper, ces noces. Ah ouais, t'as raison. Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement. Bah, comment ils ont fait pour nous rattraper? Allez, allez, plus vite! Mon vieux Manu, ta théorie sur les grandes oreilles, ça marche, on meurt méga kill. J'ai envie de vomir. Oh, mon petit tête, nous sommes les rois du monde. Oh là, Dumbo, je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord. On n'a pas encore gagné. Alors là, j'en suis sûre cette fois. Il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf. Yahoo! Tout marche comme sur des roulettes. Vomito, prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite. D'accord. Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous. Hein? Oh, j'avais oublié ce petit détail technique. Le bonnet. C'est mieux. Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi. Là, la dernière bouée, on vire à droite. Oh, j'en peux plus, moi. Vomito. À très bord. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus alors qu'on a plié les voiles. C'est bon, on dirait qu'ils font du surplace.
plus fort, je clôt de la plus fort. Il nous rattrape. Oh, j'arrête. Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça. Ils pulvérisent tous les records. Voilà, sauvez-vous du bord. Mon pauvre Titeuf, est-ce que tu vas bien? Dis-moi, réponds-moi, ça va bien? Hé, hey, oh, l'oreille t'a craqué, ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel. Allons, allons, Titeuf. Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi. Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion. Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo. Bravo, mon petit. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Et en plus, tu nous as prouvé une chose, tu sais. C'est que l'amour nous donne à tous des ailes. Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? Hein? N'importe quoi, c'est même pas vrai. C'est pas juste.